soir, 13-61, avec Magic Benji. Voici le deuxième participant de ce championnat de France 2012, Émeric Romain. Il est tout jeune, il a 22 ans, c'est un Parisien et son numéro fait référence au film Iron Man. Une technologie innovante au service de la magie par un magicien qui compte, Émeric Romain. Émeric Romain, deuxième participant de ces championnats de France de magie. La note à battre, 13-61.
Avoir une prime à la jeunesse pour Aymeric Romet. Il n'a que 22 ans. Le jury va-t-il apprécier cette modernité ? Alors parmi eux, Dominique Duvivier et sa fille Alexandra. Dominique qui est l'un de nos plus grands magiciens de close-up et directeur du Double Fond. Thierry Robert, directeur du Théâtre de Lys. Et Marc-Fabien Bonnard, romancier et parolier. Ainsi que bien sûr nos amis magiciens, les Blackfinger, Réginald et Myriam, qui sont les plus grands ombromanes au monde. Champion du monde après avoir décroché ce titre de champion de France. Voici donc tous les récompensés avec d'abord un prix spécial remis à Dressing Flash, très originaux effectivement. Aymeric Romet est troisième de ce championnat de France, il a longtemps dominé le classement. Deux ex-aequo à la deuxième place, le tout jeune Romain Lequièvre, 16 ans seulement, et Blue Auré, très beau numéro également. Mais le vainqueur, le grand vainqueur, le champion de France de magie 2012, c'est lui, Max Minerbe. Merci Gilles Arthur d'avoir été avec nous. Merci Jérôme de Verdière et surtout merci à tous ces artistes qui ont fait preuve de beaucoup de créativité. Et on se retrouve bien sûr l'année prochaine pour une nouvelle édition du Championnat de France de magie.